Bulk Day 30, et oui on reprend les Bulk Day, bon normalement ce mois d'août je devrais faire que des podcasts, mais là là ça fait une semaine que j'ai pas pu m'entraîner, une semaine que je fais que des tournages clients, c'est compliqué, et là je peux enfin m'entraîner, le week-end c'est le jour je fais du contenu dans cette salle, et je me suis dit vas-y pourquoi pas te faire un Bulk Day, parce que là j'ai vraiment envie de m'entraîner, on a déjà fait une vidéo pour la chaîne YouTube secondaire, mais là, j'ai envie de te proposer un bel que d'ailleurs, un truc lourd, là. Donc, pour ça, on va se massacrer le dos. Je rappelle, mon dos, pour moi, c'est un point faible. En fait, quand je prends du poids, mon dos, il se voile. Quand je perds du poids, mon dos, il se dessine comme mes abdos. C'est incroyable. Je stocke pas mal de gras au niveau du dos. Et là, là, j'ai envie de déterrer mon dos. Donc, à faire les choses bien. Je suis déjà échauffé, je suis déjà chaud, je suis déjà prêt. Donc, je vais commencer par un bicep tranquillement avec du rowing banc et Oiseau alter, juste après, à l'échec. On va faire ça bien. J'ai pris 22,5 kg pour le l'horuine et 5 kg pour euh, l'oiseau alter. Je vais faire 12 reps oh, en ruine sportive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

18, 19, 20. Oh. Un de mes objectifs, c'est de faire des vlogs sur cette chaîne YouTube. Mais de faire des vlogs vraiment travaillés où je te montre tout. Mais aussi les bulk day. Et je t'ai dit depuis le début faut que je fasse 100 bulk day et je vais en faire 100. Je vais en faire 100. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais en faire 100. Je vais faire 100 bulk day. Crois-moi sur parole, on va faire les choses bien. Là, comme je t'ai dit, hein. J'ai eu une semaine vraiment de de tournage de montage vidéo de projet client, c'était long, c'était chiant, c'était embêtant. Et du coup, j'ai même pas pu m'entraîner. Et là, faire une semaine sans entraînement, sans aller à la salle, c'est dur. C'est super dur, je le sens sur mon physique, surtout que je mange pas très propre en ce moment. Quand tu fais beaucoup de tournage, tu te déplaces, les clients ils payent à manger et tout, c'est compliqué. Donc faut faut vraiment que je limite la casse, vraiment. Parce que là je commence à me voiler, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Là, j'aimerais ouvrir une petite salle où je peux faire un home gym cool. Un peu similaire à celui-ci. Mais un truc à moi, tu vois. Qu'est-ce que ça coûte cher Qu'est-ce que ça coûte cher Là où je suis, je suis obligé de mettre au moins... au moins 5 ou 600 balles par mois, au moins. Pour créer un truc cool. Bon, en France, on s'en sort pas trop mal pour le prix, mais... En termes d'investissement, c'est cher, tu vois, donc... Faut que je travaille, faut que je trouve des fonds pour faire ça de la meilleure des façons. Parce que là, j'ai des idées pour faire du contenu de fou. Pour l'instant, je vais faire les choses ici. Mais l'investissement que je mets, ça fait mal. Hein. Ça fait super mal. Mais faut que ce soit rentabilisé. Il <laughs> faut que le rentabilise. C'est important. J'aimerais faire un home gym vraiment tout en noir. Qui ressemble à celui-ci. Celui-là, c'est le home gym parfait, tu vois. Les murs sont noirs, le plafond est noir. Les LED elles sont bien, l'éclairage il est top, je peux faire de bonnes vidéos, de bonnes séances et il faut que j'ai un truc qui soit collé à chez moi, mais qui ressemble à ça, qui soit similaire, comme ça je suis bien. Allez, troisième. Oh, on fait ça bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept.

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh. 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 Ouais. Le fait qu'il n'y ait pas de clim, c'est vraiment compliqué. Hein. Ça durcit l'entraînement de fou. Ça fait chaud. C'est incroyable. Exercice suivant, régner à la barre. J'ai pris une barre Z avec ouf, 10 kilos de chaque. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de régner à la barre. Donc, on va prendre une charge assez légère, du moins supportable pour moi. On va se faire 20 répétitions et on va travailler en endurance cette fois-ci ce mouvement. Comme tu le sais, mes entraînements ils ont changé maintenant. Je vais beaucoup les entraînements euh, lourds et des entraînements de type endurance musculaire, histoire d'être complet. Et puis voilà, on va faire ça bien. Va répétitions. je descends juste mon haut parce qu'il remonte un peu.

Par contre, là, depuis deux semaines, je ne sais pas si beaucoup de personnes s'intéressent à la sécurité, ou si mes vidéos sur la sécurité ont été mises en avant, mais je reçois des pavés sur Instagram de personnes qui m'expliquent leur situation en sécurité, leurs ambitions en sécurité, et aussi sur mes vidéos de muscu et sur mes shorts, sur mes réels Instagram, qui n'ont rien à voir avec la sécurité, on m'envoie des pavés des questions sur la sécurité. Les gars, j'ai fait une vidéo FAQ sur la sécurité. Allez voir, ça fait toutes les questions. Si t'as des questions que j'ai jamais, euh, traitées en sécurité, ben, pose-la dans cette vidéo. Parce que tous les messages Instagram, toutes les questions relatives à la sécurité sur les vidéos non concernées, je vais pas y répondre. Les gars, vous posez tous les mêmes questions. J'ai fait une FAQ qui regroupe toutes les questions, j'ai fait des vidéos. Posez-moi des questions sur la sécurité et j'y répondrai. Allez sur ces vidéos-là. Mettez des commentaires dans ces vidéos-là. Ce serait même que quelqu'un d'autre va vous répondre parce que j'ai réussi à fédérer on va dire une mini communauté autour de la sécurité c'est très très bien je suis content j'ai ramené pas mal de gens en formation de sécurité c'était pas mon but c'était pas mon objectif je voulais juste partager mon ressenti en sécurité et aussi montrer que c'est pas juste un métier de de de, de non scolarisé tu vois et puis voilà je suis je suis content à ce niveau-là mais arrêtez avec vos questions regardez les vidéos c'est important 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh en plus, pour financer mon projet qui est de créer ma petite salle de sport, mon home gym, ça se trouve que je vais me remettre en sécu et que je vais faire un taf nul en sécu. Parce que je suis dans une ville qui est petite, il n'y a pas beaucoup de taf en sécu, mais il y a du taf. Ça se trouve même que je vais revenir dedans et je vais trop faire des vidéos. Mais, comme je l'ai dit, hein, si la sécurité a un intérêt pour toi, commente les vidéos relatives à la sécurité, directement. Parce que chaque mois, parfois je me pose, même un jour je me pose, je vois les commentaires de mes vidéos YouTube, je vois si la sécurité, il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a assez de matière pour que je traite une vidéo Ou alors est-ce qu'il y a une question qui mérite une vidéo entière Si c'est le cas et il y a la demande, et eh ben je fonce. S'il n'y a pas de demande, je fais rien du tout. Je fais ce que j'aime. Parce que c'est important. Par contre, en termes de sens, comme ça fait du bien de s'entraîner à la fond. Faire les choses bien. Sachant que là, je n'ai pas mangé. Hein. J'ai le ventre vide. J'ai qu'un monstre énergie dans le ventre. Et un... J'ai pris quoi C'est pas un iPro que j'ai pris. Oh, je sais pas ce que j'ai pris. J'ai pris un yaourt à boire, mais c'est concurrent au iPro. Mais c'est super bon, pas sucré, bien. Ça remplit bien, ça cale bien. Et là, je prends envoyer encore. Là. On va envoyer. Allez, dernière. Faut ça bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouh. Oh putain! Là, je viens de voir un truc sur ma chaîne YouTube principale. On est bientôt à 30 000 abonnés. C'est incroyable. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va continuer à faire les choses bien. On va continuer à avancer parce que c'est important. On va speedrun ces 30K et se donner les 50K pour objectif. Normalement, j'ai les 50k pour la fin de l'année, ça va être dur. Hormis s'il y a un miracle qui se prépare, mais ça va être très dur. On va continuer à avancer, continuer va faire les choses bien. Mais merci beaucoup. Bientôt 30k. Là, on va faire des shrugs directement aux haltères. J'ai repris les 22 kilos. C'est assez. Et on va se faire, ouais, 12 reps. 12 reps, je vais voir si je fais un petit tempo. Deux secondes. On va faire ça bien. Avoir des gros trapèzes. Oh, c'est important. Allons-y, va une deux, une, une deux, deux, une deux, trois, une deux, quatre, une deux, cinq, une deux, six, une deux, sept, une deux, huit, une deux, neuf, une deux, dix, une deux, onze, une deux, douze. Enfin toi je pas me lourd comme ça au trapèze ça fait très longtemps ça fait mal c'est un délire oh. Et là je peux pas déplacer la caméra là je sais la caméra ici c'est bon oh. mais ouais j'ai vraiment envie de te reprendre les bulles hein. j'ai envie de te les reprendre c'est juste que je fais beaucoup de choses je fais beaucoup de choses à côté Je fais beaucoup de projets Et euh, c'est un peu dur de tout faire en même temps il y a un temps pour tout ainsi ah. que les ce c'est pas le format qui marche le mieux sur ma chaîne c'est un format que j'aime et c'est un format que quand une personne veut voir un entraînement intensif d'un mec et eh ben voilà il peut suivre sans problème peut regarder après j'ai dit d'un mec ça peut être d'une femme aussi hein. J'ai jamais vu de vidéo comme ça de femme mais ça peut être bien ça peut motiver d'autres femmes aussi et des mecs Allez, on y va. Une, deux, une, une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, une, deux, huit, une, deux, neuf, une, deux, dix, une, deux, onze, une, deux, douze. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, ah. là là, j'ai re-signé avec MyProtein. Je prends, je prends ma gourde. Ah. J'ai re-signé pour un an euh, mon contrat chez MyProtein. Je suis très content. Je suis vraiment content. Je suis, je suis fier. Et euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais rajouter Je dirais ça se fait tellement mal, j'oublie ce que je veux dire. Je suis content parce que j'aime beaucoup cette marque. J'ai toujours été carré et droit avec moi. Je sais qu'avec d'autres influenceurs, c'est pas pareil. D'autres influenceurs, il y a un peu plus de problèmes, on va dire. Moi, j'ai toujours fait les choses bien. J'ai toujours livré les vidéos, les projets que j'ai dit que j'allais livrer, que j'allais faire. Et du coup, bah, au niveau de la rémunération, des termes, des contrats, bah, tout se passe bien. j'ai aucun problème avec eux. Malgré que j'ai eu des demandes d'autres marques qui me payaient beaucoup plus cher, qui m'étaient dans des meilleures conditions sur le papier que MyProtein, ma, que ma bah, je reste avec eux parce que je sais comment ça se passe avec les autres marques. Moi, moi ma grande force à moi, c'est que je suis vidéaste professionnel à côté. Et que j'ai déjà bossé avec des, des influenceurs fitness reconnus qui ont bossé avec certaines marques qui m'ont contacté et qui m'ont dit dans quelles conditions ils étaient entre guillemets et du coup je connais les problèmes on va dire des, de certaines marques et moi je préfère être dans ma paix dans ma tranquillité sachant que mes protéines c'est un objectif pour moi quand j'ai commencé YouTube dans mes premières vidéos je t'invite à regarder enfin si tu arrives à trouver mais je disais, à hey, 10K, <laughs> je contacte MyProtein. Je les contacte et on y va, on va bosser ensemble, tu vois. Et là, je suis avec eux, je suis content. Et je suis quelqu'un qui est très reconnaissant. C'est-à-dire que mon premier vrai sponsor de compléments alimentaire, c'est MyProtein. Je reste avec eux. Je reste avec eux. J'ai eu des grosses propositions, hein, mais c'était pas intéressant. Pour 300, 400, 500, 600 balles de plus, c'était bien. Mais je voulais pas. Je voulais pas. Je voulais, je voulais rester dans la maison, c'est important. Après, si on me donne 8000 euros pour quitter MyProtein et aller dans un sponsor de complément, on verra, tout dépend de la marque. Mais je préfère rester dans de bonnes conditions. Sachant que si on me propose 8000 euros pour quitter MP, c'est qu'MP, mon contrat aura déjà changé d'ici là. Allez, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1 de 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 2 10 1 2 11 1 2 12 Ah Savent un truc les partenariats? Il y a une part de contrat, une part d'argent qui est importante qui te fait rester Mais moi je suis un mec à l'ancienne. Ça veut dire que si je me sens pas bien à un endroit, peu importe si je suis bien payé ou pas, je pars. Faut que je me sente bien, faut que je me sente à l'aise, faut que je me sente pas forcé à faire les choses, tu vois. Moi chez Myprotein, je suis pas forcé et personne n'est forcé à faire des choses. Et ça c'est c'est un truc de fou hein, parce que les sont payés, y en a qui sont bien payés, je pense, on les force à, à rien faire. Il y en a qui font rien mais ils sont payés. Il y en a comme moi qui n'étaient pas payés avant mais qui faisaient beaucoup. Maintenant je suis payé et je continue à faire beaucoup, mais je suis comme ça. Et je continue à faire beaucoup. Maintenant là je fais énormément là. Là, je... là pour moi, hey, je suis payé, je fais énormément. Même si que, il y en a qui me disent, ouais, mais t'en fais trop, ouais, mais tu mérites tant, c'est pas mon problème. J'ai un sponsor qui me fait confiance à moi de leur montrer qu'ils ont eu la chance de me prendre, de me sponsoriser, de m'offrir un contrat. Je suis pas comme l'autre qui fait la star, qui a son contrat, qui fait rien, qui fait la star, euh, voilà, j'ai mon contrat, je suis content. Non, moi j'ai un contrat, je suis un ambassadeur, je montre que je suis un bon ambassadeur. Je suis moins payé que lui, je suis moins payé que elle. Je suis moins payé que tous ces groupes de personnes qui font rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi je viens d'un endroit où t'as pas de chance, tu vois. T'as pas de chance, t'as rien du tout. Je suis né là où on n'a rien, tu vois. Donc, le moins de petits trucs que tu prends, qu'on donne, il faut que je monte ma reconnaissance. C'est important, vraiment. Allez, on y va. Encore. Lâche un peu plus de rep parce que j'aime bien bosser des trapèzes. Allez, une, deux, une, une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux. 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12. Ok, on est bien. Là, je vais reprendre la barre Z et on va faire du curl biceps tranquillement. On va faire double biceps finalement, on va se mettre bien. On va voir si je vais faire prise largeur épaule et prise serrée. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais on est là pour se détruire. Et s'amuser et passer un bon moment. Allez. On y va. 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va être dur. Parce que j'oublie que la barre Z elle est plus lourde que d'habitude ici. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 Allez 9 10 J'ai oublié que quand j'ai vu le gérant de la salle et que j'ai porté la barre Z pour la première fois, j'ai fait Ça fait pas 10 kilos Et effectivement on m'a dit ouais Elle fait pas 10 kilos, je crois qu'elle fait 15 kilos la barre Z C'est super lourd C'est vraiment super lourd, c'est incroyable Mais c'est pas grave on va assumer. Moi, tu vois, il y a une marque. Je crois que je, je te l'ai déjà dit, mais mais je vais te le redire, même si que, vas-y, j'ai pas le droit de mentionner les autres marques euh, oralement, mais je vais te le dire quand même parce que ça met mon, mon sponsor en avant. Il y a Bulk qui m'ont contacté en me disant, on fait des meilleurs produits que Myprotein. Venez avec nous, vous serez pas déçus. Concrètement. Ils m'ont envoyé un mail en anglais en me disant ça. Moi j'ai pas répondu à leur mail. Mais j'ai fait c'est n'importe quoi. Comment les marques sont prêts à descendre les autres marques pour prendre des ambassadeurs de partout. C'est pour ça que tu as beaucoup d'ambassadeurs qui sont chez une marque, qui part, qui reviennent, qui font n'importe quoi. Et moi j'ai pas envie de ressembler à ça. J'ai pas envie de ressembler à ça. J'ai pas envie d'avoir la proposition d'une marque qui me propose 200 balles de plus, de partir, et qu'après mon sponsor initial me dise finalement on a besoin de toi, on te propose 300 balles de plus et tu tu, tu fais des va-et-vient comme ça. Même au niveau des gens qui me regardent, je sais pas, c'est... En fait, toute ma vie, je te mets en avant des compléments d'une marque. Après je te demande à vendre des compléments d'une autre marque Après je reviens, après je repars Après je vais ailleurs, après je fais ça Non Et dans mes stories, je te dis à chaque fois La meilleure marque, le meilleur complément, le meilleur truc Je peux pas faire ça Même éthiquement je peux pas le faire Je peux pas le faire Déjà partir d'un sponsor et revenir dans le même sponsor C'est n'importe quoi Allez on y va et... ah. Une Deux 3 4 5 6 7 8 9 10 oh. oh. C'est une dinguerie C'est une dinguerie, pourquoi j'ai fait ça 1 Une, 2 3 4 5 Allez 6 7 8 9 10 Il en reste une, une C'est incroyable, c'est incroyable. Je prends de mon nez, je reviens. Ah, c'est une dinguerie! Mais ouais, je peux pas, je peux pas partir, je peux pas partir. Par contre, il me faut vraiment une marque de, de vêtements. Il faut que je trouve une marque de vêtements. MyProtein, ils font des vêtements. Et moi, mon sponsor que j'ai chez eux, c'est un sponsor de compléments alimentaires, tu vois. C'est soit je signe avec MyProtein, je m'arrange avec eux pour que je sois vraiment un ambassadeur exclusif complément vêtements avec eux. Sinon, comme tous les autres, eh ben, je bosse avec MyProtein et je bosse avec une barre de vêtements. Et je te cache pas, Gymshark, j'aimerais bien parce que Gym Shark, c'est comme Myprotein, hein. c'est un objectif. Quand tu es sponsor par Gym Shark, en muscu, c'est que tu es quelqu'un. Sachant que de base, ils sponsorisaient les vrais athlètes, les vrais, ceux qui faisaient des compétitions, ceux qui avaient un vrai physique, ceux qui avaient un vrai mental, un vrai mindset. Là, ils ont ouvert Fortement, leurs critères, c'est-à-dire qu'ils prennent n'importe qui. Ils peuvent même prendre des gens qui font pas de sport. Donc, moi, pour moi, je me dis, je peux rentrer dedans. Je suis légitime. Je fais un peu de sport. Je suis bien. Mais, pour l'instant, j'ai pas les abonnés nécessaires parce que eux, regardent beaucoup ça. Eux, si si, si, si t'as pas d'abonnés, salut. Tu peux faire du côté qualité. C'est bien. Tu peux présenter bien la caméra. Tu peux bien parler. Tu peux avoir un bon physique. T'as pas d'abonnés, salut. Donc, voilà, faut vraiment, que je travaille sur ça sur Myprotein on va dire que j'ai eu de la chance parce que maintenant ils ont bien bien élargi leur système d'ambassadeurs même si que ce contrat franchement je pense que je suis le seul qui a aussi peu d'abonnés sur les réseaux mais qu'un contrat avec Myprotein c'est vraiment une dinguerie mais pour Gymshark là il faut vraiment faut vraiment bosser hein. et on va bosser on va faire ça bien c'est bien ce format où je te raconte un peu mes objectifs. Parce que ça met une pression supplémentaire. C'est-à-dire que si tu me revois dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, je suis encore là, j'ai pas atteint mes objectifs. Ça va être la honte un peu, tu vois. Même si que chaque objectif doit prendre son temps. C'est important. Mais au oh, moins je mets une petite pression positive pour atteindre mes objectifs. Après, j'ai mis Shark, mais ça peut être une autre marque, tu vois. Demain, euh, Nike m'appelle, même si Nike c'est. c'est. C'est au-dessus. Ou Une autre marque renommée m'appelle, que j'aime, c'est parti, hein. Une que j'aime beaucoup, c'est une de C'est une dinguerie. Même si que Eux, euh, c'est quasiment impossible. Oh Allez, on y va. Dernière. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8, 9, 10, je crois que je m'aide un peu avec mon dos. Hein. Je bouge un peu. Hein. Mais c'est normal. Quand c'est lourd, parfois tu t'as pas le choix. Tu t'aides un peu. Moi je suis dans les deux en muscu. Entre le mouvement complet, strict, bien fait, soigné, et le mouvement en mode body où tu t'aides un peu. Mais tu se lèves lourd. Allez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 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 oh. oh j'ai hyper mal. C'est une dinguerie. J'ai super mal. Regarde la congestion, comme elle est incroyable. Regarde, ça fait longtemps que je ne me suis pas vu comme ça. Vu plein, rempli et heureux. Je suis content. Là, tu vois, mes cheveux commencent à tomber là. Tu vois, je vois c'est, Non, c'est là. C'est là que tu vois, non, là, tu vois il... 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 il commence à avoir un petit trou. Jimmy Shark, il faut qu'il me prenne avant que ça là, ça se dévoile, tu vois. Parce qu'on sera crâne rasé avec une grosse barbe. On va faire les choses bien. On va reprendre la relève de City Fletcher. Même si lui, ce qu'il a fait, c'est trop. Hein. Sans palmarès, je pourrais jamais l'atteindre parce que je reste naturel. Mais on va reprendre sa relève en termes de motivation, de mindset, de focus, de mec énervé. On va reprendre la relève, être comme City, c'est important. Mais franchement, je suis bien, je suis bien. Ça me fait du bien de m'entraîner et être, euh, être heureux parce que ces derniers temps. Je m'entraînais à la salle avec un mauvais mood. Et ça, c'est dur, ça. C'est dur parce que t'es pas tout le temps content quand t'es à la salle. Tu fais des séances où c'est dur, c'est compliqué. Tu, en fait, t'es pas dans un bon mood et t'as encore plus mal. Mais t'es pas content de cette douleur. Là, j'ai mal, mais je suis content. Je peux envoyer jusqu'à je te fais un bulk day. Alors que bulk day, ça fait des mois que j'en ai pas fait. Mais là, là, je te reprends la série, là, parce que je suis content. Je suis content. Oh, ça fait du bien. Vraiment. Je vais faire un dernier exo. Parce que après, je vais. Il me reste quoi Il me reste une heure et demie après. Je vais faire du contenu vertical pour Instagram et YouTube Short. Parce que là, je carburse tous les réseaux. Et puis voilà, on va peut-être faire du, du curl biceps assis. En neutre, unilatéral. Tranquillement. Euh, J'ai 22 kg, mais 22 kg, c'est trop lourd. Je vais baisser. Je vais prendre 12 ou 15 kg. Histoire d'être bien. Ok, Curl, biceps, en prise neutre. J'ai pris 15 kilos. On va essayer de faire 10 reps en unilatéral et 10 reps avec les deux. Et si c'est trop osé, si c'est trop abusé de ma part, on va rester dans l'unilatéral. Je suis là pour te montrer la vérité. Je suis bien, je suis congestionné, mais je suis pas un surhumain non plus. ok Donc on va faire ça. Bien. On y va. Et une, une. Deux. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Ça va être dur, ton... Je pose un peu les altères on y va. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça me fait du bien de crier dans ma séance. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Sachant que crier dans ces séances, ne veux pas dire faire le zoo et impressionner tout le monde. C'est juste, tu relâches, tu relâches tout, ça te fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Je relâche, ça me fait du bien. À la salle, je le fais pas parce que je peux déranger d'autres personnes et j'ai pas envie d'être ce mec qui va crier pour déranger tout le monde. Et je suis pas ce mec-là, tu vois. En revanche là, je suis tout seul. Il y a que moi ici, tu vois. Donc, je peux crier, je peux relâcher, je peux m'entraîner dans la, dans des bonnes conditions. Je peux me mettre torse nu, je me mets en, en cale je peux m'entraîner tout nu, je fais pas, il y a des caméras, mais je peux être en calbar et m'entraîner, tu vois. Sinon, je me serais entraîné tout nu ici. Ah, j'aurais, fait des dingueries. J'aurais fait des roulades, tout. Mais il y a des caméras, malheureusement. Donc, il y, y a des preuves. C'est, dommage. Allons, on y va. On va repartir. Une. Et deux. Et trois. Et 4, 5, 6, et 7, allez. 8, 9, 10. Fais ça bien. Fais ça bien. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je suis bien je suis bien vraiment aucune derrière une dernière après on est bien là là pour le mois de septembre. On va faire les choses bien. De la meilleure des façons pour mes chaînes YouTube. J'ai pas envie de te faire mon bilan de la fin de l'année en te disant, je suis pas content de mon année, j'ai fait n'importe quoi sur YouTube et j'ai pas envie de te refaire ça. Ok? Donc, j'ai tout travaillé. Là, c'est des vidéos très spontanées, les bulk que vont rester. Mais après, je vais tout travailler. Je vais tout travailler. En moyenne, je prends un jour fin de vidéo YouTube. Un jour. C'est-à-dire euh, tournage, montage, tu vois. J'ai envie de te dire 15 heures en tout. Mais si je dois prendre deux jours, plusieurs jours pour te faire une seule vidéo, même si qui marche pas, qu'elle est mêmes stade de vue, c'est pas grave. Mais j'ai envie de te faire un truc beaucoup plus travaillé. Beaucoup plus cool. Parce que c'est important. Et là, on part pour être derrière. On s'arrache. On fait ça bien. Un. Deux. Un, trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit neuf dix mmh. tu vas assumer tu vas assumer, tu vas assumer fais ça bien, fais ça bien une deux, trois, quatre, cinq, six, sept huit, neuf, dix trois Oh, ça fait du bien bon cette petite séance, ce petit réveil m'a fait beaucoup de bien ça fait du bien de reprendre lourd même si c'est pas une vraie séance hein, j'ai pas fait beaucoup d'exo, mais franchement ça me fait du bien là ça me met dans le bain pour l'heure qui me reste je préfère du beau contenu vertical je suis énervé, je suis tranquille le monster énergique que j'ai bu là il agit puis il me reste encore, donc je vais, je vais je vais descendre la canette. Et je vais faire les choses bien. En tout cas, si t'aimes ce contenu, si tu es content des retours des Bulk Day, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Même sur ce que j'ai dit. Hein, si tu veux interagir avec ce que j'ai dit, dis-le moi dans les commentaires. Je te réponds sans souci. Et puis, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour un autre Bulk Day. Est-ce qu'on mon frère, dans la caméra Il rentre dans la caméra, c'est incroyable